Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bon, dis-nous où on est un peu aujourd'hui là. On est à soit frontière côté Espagne, dans le tunnel de Rañuet, Belsa qui est juste derrière. Ouais. Et on a prévu de monter au-dessus de la cascade qui est là, voir les danseurs de Pinara. Et après, suivant la neige, on va monter au Port-Vieux, en col. Et si ça va et que ça continue à aller bien sur la neige, pour la neige, on va monter au pic de Port-Vieux. Et si il y a trop de neige, on va faire le lac de Pinara. Et voilà. On n'a jamais été par là depuis ici. Ça sera une nouvelle découverte. Ouais. Effectivement. Voilà. Bon. Voilà. On y va? Ben oui, je vais mettre le sac quand même. Ben oui. Balisage jaune et blanc. Le sentier est super sympa. Ça monte tranquillou. On est sur le tunnel là. On est au-dessus du tunnel. Là. Hop là. C'est beau, hein. Chaud. Ouais, moi aussi j'ai chaud, je suis un t-shirt. Versant sud, le soleil n'est pas franc, il est voilé, mais il fait pas froid du tout. En plus, ça monte bien. Ça s'est un peu rédifié par rapport à tout à l'heure. Donc moi, je suis bien t-shirt. On est garé tout en bas là. Il est vraiment très très joli ce sentier. Hein? Il est très très joli ce sentier. Ouais. C'est très très beau. C'est pour un, hein, ouais. On va se baigner? Ouais ouais, au retour on verra. Et puis là de ce côté on a le pic de Salcorse, je vous mettrai le lien, on distingue le Cairn Sommita là. Donc le Port-Vieux, tu penses que c'est là-bas? Ou oui. C'est celui où il y a la corniche là? Là-bas je pense que c'est le pic de Port-Vieux là-bas. Ouais. Le port, le col, est-ce que c'est un peu compliqué aussi? Je sais pas, on ne voit pas le col encore pour moi. Ouais, parce que là après on monte là-dedans. Mais le pic c'est sûr que non. Après le port faut voir. Ça y a des coulées de partout en plus. On verra, on avance et puis si on voit que ça passe pas, on va au lac. Ouais. En fait, ce sentier est très très bien marqué. C'était le point de passage avant que n'existe le tunnel, autrefois pour rallier France-Espagne, donc jusqu'au Port-Vieux, Puerto Viejo. Putain, ils ont même fait un escalier.
Ouais. Et un peu plus haut, je crois qu'il y a un ascenseur. Ouais. On va pouvoir monter, regarde. Au port vieux. Ah ouais, génial. Non, ça va passer, ça va. Ah nickel. Le pic, non, le pic il faut passer dans la neige. Assez... Le non, pic, non, mais. Port, c'est chaud, mais là-bas, ouais. Le port, et puis peut-être un petit peu au-dessus. On verra. Pour remonter un peu à gauche, là-bas, jusqu'au creux. Avant de monter au pic. Ouais, le pic, c'est pas la peine parce non, que. Non, non, puis, vu les coulées. Il y a des coulées un peu, ça. Ah, on continue à faire. Des virages pour la montée, pour l'adoucir un petit peu. Quelque part au-dessus, il doit y avoir le port de Bielsa. Et là, juste à l'abri de cette roche, on distingue une petite cabane. Et nous, donc, on va tout là-bas, port vieux. Oui, oui, on va faire un tour à la cabane. T'as pas de force? Une petite grotte. On va voir. T'as qu'à bailler, t'es fatigué ou quoi? Ben oui. Ouais, ouais, c'est ça de mettre le réveil tôt, ouais. Ouais. Eh oui. Très tôt. Allez, on va aller voir. Tu vas voir la grotte ou quoi? Bah oui. J'espère qu'il n'y a pas une bestiole dedans, mais. Curieuse. Allez, un coup. Ah, en fait, tu peux dormir dedans, hein. Trop sympa cette grotte. Ah ouais. Non, là, c'est cool. Wow. L'épaisseur, on risquait pas de passer à travers. Non. Ah ouais. Bon, ici, il y a le lac de Pinara qui est complètement recouvert de neige. Pic de Barossa, pic de Baroud, pic de Port-Vieux. Pique-moi. Pique-toi. Et le col qui est juste là, là c'est
les derniers mètres vont être raides. Merde. Elle est pourrie la neige. Elle est pourrie la neige. C'est pour ça qu'on a envie d'y aller. Oh. Ça glisse. On s'enfonce. Oui. C'est sûr que on se retrouve un peu en hauteur, mais bon, tu vois, on reviendra se le faire, ce pic, quand il n'y aura plus de neige, pour faire une boucle. Hein? Il faut qu'on aille là-haut. Heureusement qu'il y a des virages, hein, parce que ça monte raide. Tiens, regarde, ils sont sur la neige là-bas. Ça y est, on y est. On va peut-être se couvrir. Hein. Wow, il fait corniche de ce côté. Waouh! Ah la vache, ça a coulé. Impossible de venir, hein, depuis côté français. Thank you.
sur la neige en bas. Bon, nous voici à l'intersection pour remonter au port de Bielsa. Nous reviendrons. Cette dalle là-bas, cette dalle là-bas, waouh, ouais. Wow. Allez, ouais. Un glacier ou je sais quoi. Bon, ça y est, on retrouve le sapin. D'ailleurs, ça sent le sapin. Toi, pour moi. Ah, tout en bas, on aperçoit le parking où on est garé. La route qui descend en Espagne. Thank you.
Allez, on est bientôt arrivé. Voilà, plus qu'un virage ou deux ou trois, on est arrivé au parking. Bon, mais voilà, ça y est, nouvelle fin de randonnée très jolie. Franchement, je ne m'attendais pas à aussi joli vallon en partant du bord de route, du bout de tunnel. C'est sauvage à souhait, c'est magnifique. Il y a de l'eau partout, c'est. Bon, on a eu un peu froid en haut. Et là, ben, on a un t-shirt. Ouais, on a chaud. Donc, 9 km aller-retour pour aller jusqu'au Port Vieux. 700 dénivelés, c'est 700, ça 710, oui. 710 de plus, voilà. Une petite balade, mais vraiment plein les yeux. Un petit coup de cœur encore. Oh, ça fait longtemps, hein. Et on... Et on reviendra pour filmer le pic de Port-Vieux et puis de l'autre côté peut-être, comment il s'appelait? Pic des Guillettes de Mario là. Ah oui, Mario. Ça nous fera après, ouais. Quand tu n'auras plus de neige. Voilà. Bon. On check? Check. Allez. Check. Et on vous dit à très vite. À demain, pareil. Ciao. Ciao.